Weekend qui s'est passé là, Real Madrid connaît première défaite li dans la saison 2023-2024. Première défaite li dans la Liga. Real Madrid, avant de faire ça contre Atlético Madrid, a gagné 15 points sur 15. 5 matchs, 5 victoires pour le club madrilène. Et bien, dans la 6e journée, le derby madrilène qui opposait Real Madrid contre Atlético Madrid. Atlético Madrid gagne l'équipe Real Madrid 3 goals à 1 avec Morata qui fait 2 goals, Griezmann fait 1 goal, 3 goals tête dans le match de football. Ça. Saison 1 prend long. Bataille avec Barcelona a continué. Jean ça a toujours fait dans la Liga. Le ou garder deux équipes, c'est deux plus grandes équipes dans l'histoire de la Liga. Et bataille alentour, il prend rude en Europe parce que l'autre dit Real Madrid ou dit Ligue des Champions. Ambition par l'autre bagaille que gagner Champions League. Là. Est-ce que effectif ça gagner qualité assez pour aller gagner Ligue des Champions? C'est question ça que un pile fanatique football a posé. Qui est-ce qui est coupable dans ce qui a passé équipe Real Madrid là? C'est vrai, nous pas capable de faire une conclusion hâtive sous saison 2023-2024 là. Mais tout le monde a constaté comment Mercato Real Madrid là lui-même l'était avec Jude Bellingham qui c'est seul grand coup que l'équipe Real Madrid l'a fait dans Mercato. Qui est-ce qui est responsable? Ancelotti? PS? Eh bien, en deux vidéos ça, nous allons essayer bao responsable ça qui a passé en dans équipe Real Madrid là qui fait que gagner en pile scepticisme autour de saison 2023-2024. Gagne en réalité qui clair. Chaque monde toujours a cherché un bouc émissaire le gagne des fêtes surtout. Toujours gagne un responsable échec responsable victoire. Ou après, le petit monde dans lui-même, il saute l'examen, il va passer. Il n'a pas regardé que, il n'a pas étudié, il n'a pas battu, il n'a pas travaillé dur. Il dit, ah, c'est professeur avec voler pour moi. Bien, bien composé, oui. Professeur, ça va voler, oui. Depuis l'année passée, il va voler, oui. Et bien, c'est lui qui vole pour moi. Pendant, il n'a pas remis en question sous tête, lui, que, lui, c'est responsable. C'est où responsable? Eh bien, là, lors de la saison 2023-2024, là, effectif Real Madrid, là, Pérez, qui est président club, là, Ancelotti, qui est entraîneur club, là, chaque monde a une responsabilité par eux sur ce qu'il a fait dans l'équipe Real Madrid. Là. Déjà, il y a une alerte. Sous saison 2023-2024 là parce que compétitivité hein, compétition en question côté que ou gagne Barcelone cap gouma avec ou dans championnat ou gagne club en Europe cap gouma avec ou dans Ligue des Champions, eh bien si effectif ou pas long, si effectif ou pas de très grande qualité, si ou pas gagne des joueurs létal dans le moment qui pour permettre que ou prend décision pour gagner, eh bien, on a une situation vraiment compliquée. Dans le mercato, ça a gagné un pile rumeur autour de l'équipe Real Madrid après le départ Benzema. C'est la vérité dans le cas Benzema. Si nous prenons l'histoire de Real Madrid n'a jamais gagné la Ligue des Champions, n'a jamais dominé en Europe sans pas gagner un gros buteur, sans pas gagner un joueur de classe mondiale, un joueur référentiel. Si nous prenons dans les années 50, Real te gagne Di Stefano, te gagne Gento, te gagne Coupa, par la suite te vin gagne Puskas. Real Madrid cap champion 98 dans la Ligue des Champions, te gagne Piliad Mijatovic, Raoul, Davos Soukir, te gagne Morientes. Continue 2000, au prend 2002, Raoul Morientes te là. Real Madrid qui vin champion 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, gagné 4 dans la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur dans la Ligue des Champions. En 2022, qui c'est le dernier titre en Europe,
c'est Benzema. Donc tu es toujours gagnant un buteur qui a fait 30 40 voire 50 là pour Cristiano Ronaldo. Qui manque Real? Real gagnant un manque buteur. C'est vrai dans le début de saison Jude Bellingham a fait goal pour l'équipe Real Madrid là. Mais il parlait de joueur qui t'a caché péché Real Madrid là. Pour combien de temps que Jude l'a caché péché Real Madrid surtout en attaque? Et qui est ce joueur en tant qu'équipe Real Madrid là qui est capable de step up pour faire 30-40 goals pour remplacer Benzema au niveau quantitatif dans ce qui a rapport avec faire goal? Est-ce que sous marché Real Madrid pas de gagner joueur que était capable de derrière pour remplacer Benzema? La presse espagnole fait mention que Ancelotti, comme entraîneur, te wè nan Harry Kane successeur digne de Karim Benzema. Et la presse espagnole même révélé que Pérez avec Ancelotti te gagné des accords autour de Kane. Real Madrid pas pral bay plus que 150 millions d'euros, mais plus que 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, Kane 30 ans. Mais Real Madrid est dans une situation urgente pour gagner un remplaçant de Benzema, un joueur digne qui est capable de faire 30 goals. Benzema, depuis après départ de Cristiano Ronaldo, c'est quand même 30 goals chaque saison jusqu'à ce qu'il quitte l'équipe Real Madrid en 2023. Et Harry Kane, c'est prototype joueur qui est capable de faire ça. Particularité que Kane gagne, c'est un buteur, c'est un créateur, c'est un organisateur. Eh bien, c'est prototype joueur même genre avec Benzema. Eh bien, la presse espagnole a révélé que Pérez était clair sur ça. Si on n'a pas prendre Mbappé dans le mercato ça même, n'a fait saison 2023-2024 là sans une œuvre de classe mondiale, sans un véritable buteur. Et après défaite contre Atlético Madrid là, la presse espagnole a révélé que Real Madrid avec Pérez pas une pièce intention acheter joueur dans le mercato hivernal là, qui va venir bientôt. Donc Pérez lui-même est clair sur ça que c'est Mbappé. Maintenant dans le cas Mbappé, Real Madrid pas dans logique pour faire une offre formelle pour Mbappé, mais on t'a suivre situation Mbappé. Mbappé qui dans dernière année contrat avec Paris Saint-Germain, soit Mbappé prolongé avec Paris ou bien il y aller gratis dans l'équipe qui dans l'idée. Comme c'est l'équipe Real Madrid là qui paraît possible équipe Mbappé dans le futur, eh bien, nous étions avec logique Real Madrid Mbappé. Mais Jolan Kahali n'en est pas équipe que le voulait en 2024. Mais, grosse situation qui est très claire, Paris, tenant logique, s'il n'a pas vendu Mbappé dans le mercato estival là, Mbappé pourra aller gratis en 2024. Mais la presse française fait mention que Jolan lui-même, lui, pas prend prime de fidélité à l'équipe Paris Saint-Germain, il parlait de 80 à 100 millions d'euros, ça a facilité de quitter l'équipe Paris Saint-Germain sans problème en 2024. Mais, pour rien qui officiel, pas dans rien dit en 2024, Mbappé pas signé un nouveau contrat. Pas dans rien dit, Mbappé pas prend d'eau l'équipe Real Madrid là pour servir de négociation, n'en profite pas à la famille. C'est 2024 qui a dit non ça. Maintenant, Mbappé pas prolongé avec Paris Saint-Germain, mais Real Madrid t'a gardé situation. Si Paris t'a arrivé dans logique pour dire bon, comme joueur dans lui-même, il n'a pas signé un nouveau contrat avec moi, eh bien, je mettais sur le marché, tel comme Real Madrid trouvait, venir négocier, en discuter, appeler dans le téléphone, dans ce qu'il a fait avec le président Real là pour dire en discuter. Le ça, Real t'a fait au formel. Certes, pas de au formel, mais Real Madrid t'a voulu Mbappé pour saison 2023-2024 là. Comme il y a là, pas gagné Ken, pas gagné un buteur référentiel, c'est Ocelo qui gagne ou obligé fait avec Ocelo. Donc, Pérez, pas de Ken, pas de président lui-même, lui, Pérez, pas de Ken, pendant entraîneur lui-même, lui, de Ken. Là, son désaccord. Qui est premier responsable de ce qui a passé là? Ou bien, premier responsable, scepticisme ça de fanatique. Pérez,
Raison simple, parce que personne qui connaît le football bien, pour les batailles qui gagnent en Europe, je vous dis là avec club anglais, yo, Bayern, Andy Paris Saint-Germain, tout, Inter de Milan, les connaît, c'est qualité effectif, les cap balle garantie ça. Maintenant, il y a Rodrigo, il y a Vinicius, qui sont deux jeunes qui sont dans l'obligation de lever niveau. Qui dit lever niveau A, c'est 20-30 goals pour jouer ça. Est-ce que jouer ça, même quand lever niveau A, tel point, vous allez faire 30 à 40 goals pour l'équipe Real Madrid là, qui est capable de permettre que Real Madrid avec Pérez, avec Ancelotti, essouffle pour dire bon, fixation que nous avons gagné sous jouer ça, capable de faire une très bonne saison avec l'équipe Real Madrid, que nous sommes capables de dominer l'Europe avec jouer ça, et bien nous avons fait un assez à jouer ça, puis nous prenons une dimension en plus pour porter l'équipe Real Madrid là. Je crois que l'autre facteur qui est très important, c'est le cas de course avec Modric. Je pense que c'est une année de tour pour deux joueurs. 2023-2024, c'est une année de tour. Qui problème course avec Modric à Baou, le ou Kembio? Yo, c'est deux légendes. Ils ont voulu jouer. Le ou Souba ou Diranger. Ou mettre tout le bagaille. Deux nexa, c'est deux compétiteurs. Ils ont toujours voulu souterrain. Et je vous dis là, la condition physique joueur ça ne pas permettre que il soit toujours sur terrain. Et Kous ak Modric dérangé par situation yo dans début de saison. Ça a créé grogne en dans l'équipe là. Année de tour parce que Toni Kous, Luka Modric, c'est deux vétérans. Modric 38 ans. Real Madrid pas doit rentrer dans la logique continuer avec Modric. Continuer avec Modric, je veux dire que oui, il s'est mentor l'autre yo. Mais, la danger c'est sous banlieue. La preuve, premier gros match Real Madrid joué saison ça, c'est contre Atlético Madrid, tous les deux étaient sous terrain. Et c'est pour la première fois sous saison ça que Tchouaméni n'y pas commencé comme titulaire dans la Liga. Et Toni Kroos et Modric, c'est pour la première fois qu'ils ont aligné ensemble dans le début de match. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Modric pratiquement saoulé, pas dans la boule. Je crois que ça, c'est un gros erreur de la part de Pérez. L'autre erreur de Pérez, Caval. Qu'est-ce qui bat contre Caval, c'est Lucas Vázquez. Real Madrid prend 3 goals contre Atlético Madrid. Qui côté tous les 3 goals ça va? Sous côté gauche là. Lino, demi latéral, Saúl Ñíguez intérieur, et manger ou manger l'aile gauche Real Madrid là. Centre goal. Centre Lino, goal Morata. Sop, Saúl, Ñíguez, Gol Morata, Gol Griezmann. Donc, Caval déjà, aujourd'hui, là, pas top défenseur latéral droit qui gagne sous circuit, Vázquez pas de jambon latéral de formation. Pérez pas de jambon mette Caval dans situation côté que joueur football ça, ligue de concurrence. C'est un milieu de terrain offensif sur les côtés. Qui a dépanné depuis des années comme latéral droit. Ça aussi, c'est Pires qui pour mettre chèque là pour aller au joueur. Donc, premier gros responsable là, c'est Pires. On parle du cas de Benzema. On parle de Modric à Kroos, que je pense que c'est son année du tour pour eux. Et on parle du latéral droit là, qui c'est Caval. Mais Ancelotti, tout responsable. Raison. Si moi c'est un employé, je travaille à mon côté, si pas les conditions adéquates pour me travailler, pendant que je connais si je travaille bien, les résultats ne pas marcher en fonction de l'objectif institution fixé au départ, il y a prévoqué. Maintenant, moi je dois démissionner depuis bien avant. Raison simple. Parce que qui est-ce qui va le critiquer? Le bagage de résultat. C'est moi-même. Mais est-ce que ou t'es bon moyen pour me faire résultat? Non. A, si ou pas bon moyen pour me faire résultat, c'est soit mon résil, moi fait avec sa clayo pendant le conséquence l'arrivée ou accepter. Ou bien avant pour conséquence l'arrivée ou démissionner. Pas oublier Ancelotti vini en équipe Real Madrid là
c'est pas par la grande porte. Il était sorti dans Everton. Ancelotti t'a touché 13 millions d'euros dans Everton. Il vient toucher deux fois moins de cob. Ça veut dire son monde qui était vli job là. C'est pas en question de cob. Il dit c'est Real Madrid que le dévli. Il fait première saison excellente. Maintenant, on va qui était clair. Deuxième saison, vient gagner plus à tête. Équipe a renforcé au bout. Et nous te ouais, finalité. Quand il est là, saison après, obligé de rentrer dans une situation pour renforcer ou plus. Quand il est là, on vient perdre du buteur. On ne va pas être nous menti. Équipe Real Madrid, ça, 2023-2024. Il n'y a pas de garantie pour la Ligue 1 Europe. Déjà, c'est pour garantir c'est la Ligue 1 joueur. Parce que match, c'est sur terrain au jouer. Quand il y a avant match, quand il y a sous garde effectif ou garde qualité. Le Sikaval qui latéral droit, tout connaît s'il pas là. Le c'est Bellingham qui neuf ou pendant son milieu de terrain. Le c'est Rodrigo pour gain dimension qui neuf ou. Le c'est Oselu qui neuf ou. Là on a une situation problématique. Oui, Perez, c'est Pingou coupable là. C'est premier responsable parce que c'est lui-même qui a géré l'équipe Real Madrid là. Et monsieur connaît qui ça gagné en Europe. Mais Ancelotti tout comme entraîneur, lui paraît qu'un entraîneur qui bon laxis, qui bien vague, peu importe ça que venir la prendre, si on évoque le libre aller, la relax, derrière son gentleman. Surtout qu'il y a Brésil en 2024 qui parle contre la fin en 2024. Mais, si on prend Ancelotti, pas de loi pour Ancelotti, tu es pratiquement d'accord, accepté, fonctionner avec Real Madrid comme ça, avec effectif ça. Côté que même entraîneur là, a dit que effectif Real Madrid là correct li ka gou mais en Europe Ancelotti c'est un ancien bon joueur football qui connaît sa que l'équipe qui connaît sa que les challenges qui connaît sa qu'en Angleterre là Ancelotti connaît effectif qui n'a mêle là il connaît effectif qui n'a mêle là manqué en pile bagaille en attaque il connaît effectif qui n'a mêle là c'est Cavaral que le gagne à droite Nacho ka dépanné mais même Nacho hein, c'est un joueur qui d'accord la prêté dans Real Madrid, peu importe niveau, li pal font l'autre challenge. Donc, Real Madrid fait première défaite li, mais saison 2023-2024 là annoncé très compliqué pour équipe Real Madrid là, surtout en Europe, le garde effectif équipe Real Madrid là, il y a des manques, pas des moins, le latéral droite qui est capable de backup challenge Cavaral, et surtout, yon buteur que Ancelotti. Et besoin que Perez pas de Bali parce que Perez lui-même c'est Mbappé là.